Pour le bien-être des populations, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, s'est engagée avec les États membres dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes. Tous les secteurs sociaux sont concernés. Pour atteindre son objectif, un atelier est initié par le bureau de représentation de la commission de l'UEMOA à Abidjan pendant 3 jours. Il est bon qu'on se retrouve entre autorités avec l'autorisation des autorités politiques pour faire le point, pour évaluer et sensibiliser sur les projets et les programmes. 15 projets ont été réalisés sur la trentaine déjà existants en Côte d'Ivoire dans le secteur de l'agriculture, du transport et de la santé, entre autres, selon le représentant résident de la commission de l'UEMOA. Cependant, des difficultés demeurent. Les principaux obstacles, la levée des financements. La deuxième chose qu'il faut surveiller, c'est vraiment entre les États et la Commission et la cellule de gestion du programme économique régional, qu'il y ait des mécanismes de suivi très, très, très efficaces. Les projets en suspens seront poursuivis en 2014. 30 milliards de francs CFA sont d'ailleurs attendus pour chaque pays en vue de financer les projets sociaux.